Et bonsoir à tous et bienvenue pour ce live de Football Manager 2019. Bon, ça va être un peu déconcertant parce que Football Manager, il n'y a pas de son. Enfin, il n'y a pas de son, il y a juste des sons pendant les matchs, sinon il n'y a pas de musique ou de trucs comme ça pendant les menus. Donc du coup, en fait, on va être souvent sur un son, sur un son sourd. On n'aura pas de son, quoi. Donc du coup, qu'est-ce qu'on va vous présenter ce soir? Donc du coup, en fait, en Football Manager 2019, il y a plusieurs modes. Donc le mode carrière, que vous connaissez tous, le mode Fantasy Drive. Donc on choisit une équipe en ligne et on joue contre les amis. La carrière en ligne, la même chose, on fait notre carrière, mais en ligne. Et il y a aussi une création de club. Donc vous créez votre propre club et vous montez vers les sommets. Donc ce soir, on va quand même y aller sur le mode carrière. Donc en espérant que ça efface pas ma carrière. Je l'espère. Donc du coup, je commence une carrière en national. Du coup, je vais prendre Le Mans FC. Du coup, vu que j'ai mis le maillot, je me suis dit hop, on va prendre Le Mans FC. Allez, Le Mans. Donc du coup, je prends la carrière avec Le Mans FC. On va faire un démarrage configuration avancée. Non, on va faire un démarrage rapide. Hop, hop, hop. Voilà. Et on va y aller tranquillement. Donc, on va essayer de. Ouais, le personnage est pas beau. Hein. Franchement, les décors, que ce soit dans le jeu et tout, c'est pas ça. Après, ça n'a jamais été quelque chose de ouf dans Football Manager. Mais bon, on va faire avec. Nous, le but là, c'est de présenter un peu le jeu, tout ce qui est interview, les tactiques un peu plus présentes, vraiment un peu plus poussées, les matchs aussi qui sont un peu plus réalistes avec l'arbitrage vidéo et tout et tout. Et bonsoir à toi, mademoiselle, sur YouTube. Comment vas-tu ce soir? Donc la création du championnat, elle est longue, mais on va faire avec. Hop là. Donc un truc qui est un peu dégoûté, c'est que en fait en national, bon, il n'y a pas qu'en national, hein, en fait il n'y a pas toutes les licences. C'est dommage parce que sachant qu'il ne reste plus que Football Manager en vrai jeu de management de foot. C'est un peu triste quand même. Ah, du coup, ouais, on va utiliser ce profil. Je garde mon profil. Je garde tout. Hop, confirmé, je garde mon profil. Donc voilà. Donc je disais, ouais, du coup, il n'y a pas de. Alors, est-ce que au pire je peux le mettre dans le cloud? Comme ça je sépare mes sauvegardes. Là j'ai ma sauvegarde avec QRM. Je peux peut-être faire un nouveau dossier. On va mettre sauvegarde live. De toute façon, je reprendrai mon autre carrière. Et là, hop, je sauvegarde. Ah, je garderai quand même. Je voudrais pas perdre ma sauvegarde. Donc du coup, je sais pas si vous allez tout voir, mais je vais voir si je peux décaler un peu. Donc, je vais essayer de me mettre plus là. Ça va peut-être moins gâcher la chose, parce que ici vous avez juste le message suivant ou autre. Donc allez, on va commencer. Donc bon, Chotard, c'est moi. Hein. J'aurais peut-être dû changer de nom. J'aurais mis Playkill, mais c'est pas grave. Les dirigeants du Mans FC ont annoncé que Adrien était leur nouvel entraîneur. Et ouais, c'est moi. J'aime pas même nom. Et apparemment ravi de pouvoir s'impliquer quotidiennement au MM Arena. Et ouais, les supporters vont bien sûr espérer que leur nouvel entraîneur pourra apporter un nouvel élan à leur équipe. Et bien sûr, et bonsoir à toi mon petit Théophile. Comment vas-tu? En bas, et tu la pousses à mort à gauche. En bas. En bas, oui, en bas. Ici, c'est vrai qu'ici. Ouais, mais des fois, il va y avoir des messages. On va la laisser comme ça, on va la mettre comme ça. Donc je succède à Richard Désiré, donc un ancien entraîneur de Quevilly,
est passé, qui est actuellement au Mans. Bon, on va faire notre première réunion. Très très fatigué, Ben. Non, mais je vais la laisser comme ça, t'inquiète, ça va le faire assez. Très très bien. Et toi, mon petit, pourquoi t'es fatigué? Je vous souhaite officiellement la bienvenue au Mans FC. Yeah! Les dirigeants tiennent à vous assurer que de leur soutien le plus total. Donc, du coup, on a un contrat, vous êtes en place jusqu'en 2019 avec un salaire de 13 000 par mois. Ça va. Tu t'en fous de la fenêtre. Ah, d'accord, je vois ce que tu veux dire. Tu voulais que je la pousse comme ça? Non, ça fera pas beau, je serai coupé. Non, mais je laisse comme ça, t'inquiète, ça va. Donc, du coup, on va assister à notre première réunion. Hop, bonjour Adrien, j'aimerais prendre quelques minutes de votre temps pour vous souhaiter la bienvenue au Mans FC. Avant de passer la parole à votre adjoint qui souhaite discuter avec vous des responsabilités des membres du staff. Je tiens également à vous assurer que vous avez le soutien total des dirigeants. Nous n'aurions pas fait appel à vous si nous ne savions pas que vous étiez la personne idéale. Mais je le sais, parfait, commençons cette réunion, j'ai hâte. Par contre, le Mans FC est un club. Le Mans FC. Le Mans FC est un club tout court. Pourquoi le? Ils s'attendaient qu'on fasse une musique. À la queue le. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de ma copine. On a fêté ça hier soir jusqu'aujourd'hui 16 h. J'ai pas encore dormi. Ah bah bravo mon petit Théo, bravo. Okay, je pense qu'il serait bon que vous appreniez davantage à son sujet. Je peux vous faire parvenir un compte rendu de l'histoire du club. Très bonne idée, je connais le club, mais vous me le donnez quand même. J'aime bien. Comme indiqué dans votre message de bienvenue, le club ne nous demandera pas d'adhérer à une politique particulière, à une philosophie particulière. Souhaitez-vous rencontrer les dirigeants? Ah bah ouais. Non, j'ai mis une certaine philosophie, j'ai même pas lu. Il est habituel d'organiser une conférence de presse lors de l'arrivée de nouvel entraîneur. Souhaitez-vous que nous arrangions cela? Oui, bah oui, une petite conférence. Merci d'avoir répondu à mes questions. Je vais maintenant passer la parole à votre adjoint qui a plusieurs choses à vous indiquer. Pour terminer, sachez que les nombreuses responsabilités au sein du club peuvent vous revenir ou être confiées à d'autres mains. Du coup, moi, je vais confier quelques tâches pour éviter de faire trop, sachant que vous pouvez tout faire si vous voulez vraiment. Ouais, toi, du coup, tu dors pas. Bah, bravo. Alors, très bien, merci pour la présentation et j'espère que nous ferons de grandes choses. Ouais, hop. Bonjour, je me présente, Thomas Fedrigo, votre adjoint. Quelques petites questions à vous poser concernant la gestion de l'équipe. Tout d'abord, j'ai établi un rapport sur l'effectif pour vous. Souhaitez-vous que je vous en fasse parvenir? Oui, bah merci, fais ça. Souhaitez-vous que j'organise une réunion avec le reste du staff? Oui, ce serait une très bonne idée. Souhaitez-vous de l'aide avec certaines tâches? Pouvez-vous donner un coup de main concernant les matchs amicaux? Non, je vais peut-être pour m'aider à établir des consignes particulières. Froid, je sais où vous trouvez si besoin d'aide. Hop. C'est tout pour aujourd'hui. Ça vous trouvez, d'accord. On va faire une demande aux dirigeants. Pour l'instant, on va pas trop les emmerder avec les trucs et tout. Donc, ça c'est fait. Donc, la présentation tactique. En fait, dans Football Manager, en fait, vous avez une présentation tactique. En fait, qui sera poussée au maximum. C'est-à-dire que, franchement, vous allez faire votre placement, votre jeu comme vous le souhaitez, en fait. Donc, si vous voulez du contrôle de la possession, du change en presse, du tiki-taka, vertical, jeu sur l'aile, des balancers devant, contre-attaque directe, enfin, il y a vraiment de tout, en fait. Donc, et vous pouvez créer votre propre style tactique. C'est-à-dire que, enfin, je sais pas, vous aimez les contre-attaques, mais en jouant sur l'aile et tout, ou vous êtes plus défensif en jouant les contre-attaques courtes. Enfin, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. C'est vraiment à l'image d'un dirigeant, en fait, d'un entraîneur. Après, là, on va voir quand même, parce que je vais quand même regarder, parce que Le Mans, c'est une équipe, je pense. On va jouer sur l'aile. Avec le Mans, je vais jouer sur l'aile. Hop. On va essayer de
Du coup, on va utiliser le 4-4-2 classique en jouant Sorlel, ce qui est logique. Enfin, ce qui est logique. C'est pas logique, mais sinon on peut jouer comme ça, j'hésite en fait. Parce que le 4-4-1, 4-1-4-1, non. C'est vraiment plus le 4-4-2, mais en jeu large. Sinon après vous pouvez choisir autre formation, mais hein, le 4-4-2 en jeu large, ça va être la mieux adaptée pour le jeu Sorlel. Il y a plein de nouveautés dans World of Warcraft, trop bien. Donc là en fait on devra vraiment gérer en fait nos phases. Donc avec le ballon, les phases de transition et tout. Donc pareil ici, il va falloir tout gérer. Donc j'ai encore le message là-haut. Voilà. Moi je vais vous expliquer tout en détail vu que j'ai déjà fait un peu le tour. Donc voilà, on va quand même rester sur la... Ah non, j'ai mis suivi de la prestation, non, fuck. Je vais aller en tactique. Et je vais rester sur du 4-4-2. 4-4-2 en large. Donc en fait, là, en fait, vous avez la possibilité de vos phases, les phases sans ballon, phases de transition, les phases avec ballon. Donc là, ça sera à vous en fait de gérer tout ça. Bah ouais, nous on a passé une très bonne journée. Donc soit vous jouez, là vous pouvez gérer en fait en jouant dans l'axe, vraiment rester axial, là être normal, ou vraiment comme moi je veux jouer sur, je veux faire du jeu large sur les ailes. Voilà. Par contre c'est pas logique, j'ai déjà un blessé alors que j'ai pas commencé le jeu. Donc après les constructions de jeu, donc là pareil au niveau des constructions de jeu, donc vu que je veux du jeu sur l'aile, on passe un peu plus direct. Enfin les jeux sur l'aile, faut du jeu haut et garder un peu le ballon. On peut pas mettre entre les dents, entre les deux, c'est nul. Bon, je vais laisser comme ça. Trouver les coups de pied, tenter moins de dribble, prenez la défense de vitesse, esprit. Donc tout ça, pareil, hop, on peut choisir. Pour l'instant, je vais rester comme ça, je vais juste, au niveau des transitions, je vais rester en place lors de la récupération du ballon, donc contré plutôt. Lors de la perte du ballon, effectuer un contre-pressing. Et gardien avec le ballon, ralentissez le rythme et type de relance. Je vais laisser comme ça parce que si c'est pour perdre le ballon bêtement. Voilà. Et les phases sans ballon. Ouais. Alors, les phases sans ballon, on va juste. Là, bon, c'est bien allumé. Le pressing intense. S'engager. Un marquage plus serré. Hop. Donc après là vous avez votre équipe, vos joueurs. En fait là ce que vous pouvez faire dans ça, c'est que par exemple vous pouvez chaque joueur que vous pouvez les modifier, vous pouvez en fait voilà choisir ce que son poste vraiment le personnaliser en fait. Là par exemple ça, on peut le mettre en arrière latéral défensif. Il va vraiment rester sur sa défense. C'est pas le joueur qui va avancer. Enfin, en fait, on peut faire ça avec tous les joueurs. Et en fait, plus il est comme ça, plus en fait il est sur son poste. Là, si vous voulez, vous pouvez les mettre tous en VR. Ils seront contents. Avancer un peu, reculer. Renard des surfaces. Alors, hop. Du coup, là, au niveau de la tactique, de toute façon, les joueurs sont en place. Lui, il est blessé, je ne sais pas pourquoi. Il est absent pendant 8 à 10 mois. Ok. Ah, bah ça fait mal, mon petit Théo, ça fait mal. Mais t'inquiète, ça va bientôt aller. En fait, là, on va essayer d'avancer un peu dans le jeu, parce que sinon, nouvelle recrue. Ça, c'est mes nouvelles recrues. Wouhou. Quelle belle recrue.
Donc, du coup, bah, ma blessure, responsabilité. Donc, du coup, là, je peux fermer, je peux modifier les responsabilités du staff. C'est pas, je suis tout seul, hein. Je vais pas tout gérer non plus. Embaucher licencié responsable de formation. Embaucher licencié directeur sportif. Nommer licencié entraîneur. Recruter licencié. Alors, là, ça va être plus au niveau du. Organiser l'entraînement général. Ok. Je vais déléguer mon adjoint. Comme ça, il va faire un peu de trucs. Alors, décider des prolongations ou non des contrats. Ouais, tout ça, c'est moi. Le reste, c'est moi. Je vais confirmer. Ok. Alors, ça, c'est pour l'équipe première. Gérer les causeries. Du coup, j'ai pris quoi? Ah, tu parles pas de moi, je pense. Tu parles de Théo. C'est moi, la caméra est devenue floue encore. Non, sérieux, les petites caméras. Voilà. Des fois, ça met flou, on sait pas pourquoi. Donc, du coup, gérer les interviews, tout ça, je vais faire. De toute façon, si j'ai pas envie de le faire et tout. La réserve, ce truc, par contre, les U19, c'est bon, c'est pas moi. Ok. Hop, gestion des matchs, c'est bon. Allez, on y go. Mercato en cours en France. Pour l'instant, ce qu'il faut savoir. Ouais, bon, ça on le sait. L'équipe, bon, si vous savez pas, hein, le club du Mans, il y a un peu de tout. Est-ce qu'il y a leur défaite en demi-finale de Coupe de la Ligue contre Lens qui ont perdu 4-3? Non, ils disent pas ça. Hein. Alors, les points forts. Là, en fait, vous avez les points forts et les points faibles du club. Donc, bon, ça va. Contrairement à Quevilly, ils ont un peu plus de points forts. Les résumés. Alors, nommé. Hop. Le reste c'est fait. Et hop. Alors, afin de vous aider à reconstruire l'équipe dont vous avez hérité, je vous encourage à vous rendre au centre de recrutement. Vous pourrez donner à vos recruteurs vos critères de recherche généraux. Recruteurs et volants. Oui, mais il faut au moins que je fasse un match pour savoir, parce que je connais pas encore. Il est très bien le budget. Équipe de recrutement. C'est bon. Recruteur. Ah, j'ai engagé un recruteur aussi. Alors, je pense que Christophe Castan, qui est français et âgé de 46 ans, sera un bon choix pour rejoindre l'équipe de préparateur. On va voir. Je mange des pâtes et du riz du coup en ce moment. Oh, ça va, ça coûte pas non plus des milliers des cents. Je pense que Franck. Alors lui, c'est quoi? Connaissance des joueurs, truc. Entraîneur des gardiens. Préparateur U19. Ok, directeur sportif. Propose un contrat, mais à chaque fois, ils font bobo. Tu veux pas un petit salaire, tu vois, comme ça, rien de pas. En fait, le problème. Le problème, c'est que c'est vraiment des crevards. À chaque fois. Dominique Rivière. Liste de données. Je vais essayer de former un peu le staff. Parce que j'en ai besoin. Hop là. De réception. Voilà, c'est trop tard. Hop là, ok. Bon, on va y aller. Si on peut faire un truc, ça va. Atmosphère océan. Bon, du coup, j'ai un bon groupe avec un bon dynamisme et tout. Donc, ça devrait le faire. J'ai pas de leader. Donc, en fait, au fur et à mesure qu'on va avancer dans. On va avancer dans le jeu. En fait, on va avoir des joueurs qui vont se. Il va y avoir des leaders. Ces leaders, en fait, vont donner un impact
vont avoir un impact important en fait sur la vie de l'équipe, sur le club et tout. En fait, ils vont encourager. Et désolé, petite coupure de OBS. Donc, je disais quoi déjà? Oui, je disais que en fait, il va y avoir des leaders dans votre équipe et ils vont en fait, c'est eux qui vont permettre au groupe de vous à vos joueurs de vraiment donner la motivation et tout. Et quand il y en a qui iront pas bien, ils seront là en fait, ils viendront nous voir en tant qu'entraîneur en disant oui, il y a lui qui a pas de temps de jeu, un truc comme ça. Et les leaders, c'est quelque chose d'important à avoir parce qu'en fait, c'est ce qui donne en fait l'ambiance dans le vestiaire en fait. Et du coup, en fait, ça va donner un dynamisme au groupe et c'est très très important en fait. Donc, du coup, ouais, il y a eu un petit bug en fait, ça a sauté. Salut à toi, au mix. Oh. Donc, du coup, là en fait, on est sur la tactique de base. En fait, c'est pour au niveau de votre tactique, selon ce que vous, vos tactiques que vous allez choisir, vous allez avoir un programme d'entraînement spécifique. Donc, bon, après, vous allez avoir le programme. Le programme d'entraînement pour certains joueurs, pour les ailiers, si vous voulez vraiment que des joueurs soient vraiment des ailiers, en fait vous pouvez les mettre uniquement sur des entraînements sur l'aile et un truc, ainsi de suite. En fait, il y a beaucoup de choses à mettre en place. Après, si vous voulez pas perdre de temps ou vous voulez vraiment faire vos petits trucs tranquilles, vous dites à votre adjoint de hop, vas-y, fais-le, il n'y a pas de soucis, c'est toi qui gères. Mais bon, après, tout dépend de votre tactique de jeu. Enfin, si vraiment vous voulez juste jouer pour jouer, vous en foutez. Mais si vraiment vous avez une tactique prédéfinie. Oula, ça spam. C'est qui spam? C'est pas moi. Du coup, voilà. Donc, bon, il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire. Donc, là, voilà. Donc, comme je disais, là, en fait. Comme j'ai dit tout à l'heure, en fait, tout ce qui est responsabilité, en fait, c'est à vous de choisir. Soit en fait, c'est vous qui le faites, qui organisez les entraînements et tout, ou soit c'est votre staff technique. Et plus vous allez avoir un bon staff technique, plus en fait, ils prépareront les entraînements pour le groupe. J'ai rien du tout, j'ai même pas des petits trucs, un petit match amical ou quoi que ce soit. C'est pas cool ça. Donc, on va faire la conférence de presse juste. Après, du coup, en fait, c'est ça que je parlais, le dynamisme du groupe. Donc, plus vous allez jouer, plus vous allez gagner des. Bah, gagner. Aussi, gagner, parce que c'est très important de gagner quand même. Plus vous allez gagner de matchs, plus en fait, il va y avoir des joueurs influents. Et ces joueurs influents vont donner un dynamisme au groupe. Et en fait, vous allez avoir ce qu'il faut faire pour améliorer ça, ou bah, surtout pour améliorer, parce que si tout va bien, il n'y a rien à améliorer. Par exemple, ici, niveau de cohésion en match, très précaire. Les joueurs sont encore loin de pouvoir fonctionner comme un seul bloc. Bah là, normalement, ça devrait marcher. C'est bizarre. Enfin, moi, on me dit rien, donc du coup, ça devrait marcher. J'ai pas de retour. Donc, c'est bizarre. Et du coup. Plus vous aurez une cohésion de groupe, une bonne cohésion de groupe, plus en fait vos joueurs en fait s'entendront, on feront des passes réussies, ainsi de suite en fait. Franchement, tout se joue sur la cohésion de groupe. Et comme j'ai dit aussi, là, par exemple, pour l'instant, là j'ai Stéphane Vincent et Vincent Créa. Qui sont des joueurs influents. Ces joueurs influents en fait auront un impact sur le groupe. C'est-à-dire que si eux ne sont pas contents, ben, il y aura des problèmes. Là pour l'instant j'en ai aucun parce qu'on n'a pas encore commencé, on n'a pas joué. Donc et quand il y aura des problèmes, vous allez le sentir. Et en fait ça sera à eux de régler le problème ou à vous, tout dépend si vous êtes vraiment feignant. Alors, on y va, on assiste à notre première conférence de presse. Et bonjour Adrien, que ressentez-vous maintenant que vous êtes à la tête du Mans FC? Bah, je suis très content, j'ai le maillot, là je suis prêt. Là, il est là l'écusson, j'ai le maillot, je suis prêt, je veux gagner. Bon, eux ils ont pas l'écusson. Ah, ça fait mal ça.
Bah, je suis très enthousiaste, le club est formidable et j'ai hâte de pouvoir me mettre au travail. Pensez-vous être sur la même longueur d'onde que votre président concernant les ambitions du club? C'est quoi ces ambitions? Non, du coup, pareil, pour les au niveau des du des interviews, de la causerie et tout. Oh merde, je fais cliquer sans faire exprès. En fait, vous avez les commentaires, soit assurés, soit véhéments, soit prudents. En fait, c'est votre façon de parler. Donc là, il n'y a pas agressif, il n'y a rien, donc du coup, on est tranquille. Là, c'est un interview, c'est première interview, on est calme, conférence de presse. Donc, même si lui, il est sournois, faut rester calme, il n'y a pas de souci. Donc, pourquoi avoir choisi Le Mans? C'est un club immense que l'on peut laisser, qu'il ne peut laisser personne indifférent. J'estime que ce club a un énorme potentiel. Avez-vous hésité à accepter ce poste? Pas vrai, non, non. Même si je ne suis pas naïf au point de penser que ce n'est pas toujours de tout repos. Comme dans n'importe quel autre club. Non, ça c'est pas top. J'ai pas le moindre hésitation. J'en ai pas eu. J'avais envie. Et réponse facultative. Si t'as envie de mettre un truc. Vous avez souhaité devenir entraîneur alors que vous aviez que 29 ans. Certains ont critiqué cette décision, affirmant que vous aurez du mal à vous faire respecter. Et là, tu mets je fais ce que je veux de ma vie. Qu'est-ce que tu viens m'emmerder avec des questions de 3 petits points. Mais je le mettrai pas, c'est méchant. Mais voilà, vous pouvez mettre des commentaires, c'est marrant aussi. Le gars, il pète des plombs, quoi. Ouais, oui, c'est pas une excuse. L'âge n'a pas d'importance. On peut le faire à n'importe quel âge. Si t'as, tu peux même avoir 8 ans si t'as envie. T'as droit. C'est un club très ambitieux qui veut réussir et qui ne concentre pas d'être la chose aimée. Ah oui, ben j'ai oublié. Qu'est-ce qui vous a poussé à choisir ce club? Je partage la même vision du foot que. Alors, Le Mans était votre ville de naissance. Partagez-vous des liens avec les fans, bien que vous n'ayez ne soyez pas supporter de l'équipe vous-même. C'est vrai que j'ai mis QRM en supporter de l'équipe. Franchement, cette question ne me sort jamais à l'esprit. Où allez-vous chercher tout ça? Avez-vous pris des décisions concernant votre équipe? Je vais me pencher sur la question et effectuer les changements qui me paraîtront nécessaires. Les dirigeants du Mans ne sont pas cachés leurs ambitions et votre arrivée sera une étape de plus pour les réaliser. Pensez-vous être la personne qui permettra au club d'atteindre ses objectifs, surtout sur le court terme? J'ai confiance en mes capacités d'entraîneur, donc du coup voilà, j'ai même mon diplôme, donc là vous le voyez pas, mais mes diplômes d'entraîneur sont au fond là-bas sur le mur. Ouais, j'ai des vrais diplômes d'entraîneur de foot, donc du coup j'ai la foi. Cet effectif a-t-il des qualités nécessaires? Ouais, ça va, j'ai confiance aux joueurs et au groupe. Avez-vous déjà rencontré les joueurs et si oui, dans quel état? Ouais, je les ai vus très brièvement, j'ai pas encore exprimé à ce sujet, mais je vais. Moi je suis calme, adoptez là, vous avez votre style lors des conférences de presse. En même temps, c'est ma première conférence de presse, je vais pas y dire truc, je reste calme, tranquille, pépère. Alors peut-être, quel peut être le rôle des supporters pour aider le club à grandir? Un rôle majeur. Ouais, il va falloir y aller. Mais s'ils veulent, je fais assurer quoi. Hop là. Je vais assurer. Allez vous donner une grosse charge de travail à vos joueurs. Il est important que tous les joueurs s'investissent. Certains entraîneurs sont connus pour beaucoup s'impliquer alors que d'autres se tiennent plus en retrait. Quel est votre style? Ouf, oh là là, je veux que chaque joueur sache qu'il veut. Voilà, moi je suis gentil. Alors, allez-vous repousser sur des joueurs tels que reposer sur des joueurs comme Nicolas Kosic? Oh, voilà, là, 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 hop, c'est un joueur formidable. Alors, Stéphane Vincent conservera-t-il le brassard? Oui, c'est le capitaine, il restera. Vous avez pris la tête d'une équipe alors que tout le monde s'attend au départ de Pierre Lemonnier du club. Pensez-vous pouvoir le conserver, Bien sûr que j'aimerais que Pierre reste au club. Voilà, hop, voilà, on a fini notre première conférence de presse. J'espère que ça a plu au public. Pour l'instant, j'ai un groupe en repos. Je vous fais suivre l'article suivant qui pourrait intéresser.
Ouais, alors ne s'était pas rendu compte du peu d'intérêt que sa nomination avait suscité. Alors, au moins appris cela ce matin, alors qu'un seul journaliste est présent. Tout de même, Dieu. Des questions. Ouais, c'est pas gentil quand même. Alors, vas-y. Attends, reviens en arrière. Staff. Force, adjoint 19, Mathieu Robin, Paul Maîtrier, Mathieu Robin. Je prends Mathieu Robin. Froid, mais vous prenez cher, les gars, c'est bon, c'est que. Hop, finaliser l'accord. Hop, un préparateur, Grégory Cerdan, mais ouais, enfin, attends, je suis obligé de prendre Grégory Cerdan. C'est un enfant du club, donc obligatoirement. Proposer un poste. Allez, hop, je suis obligé de finaliser l'accord. Voilà. Ah ouais, je suis obligé de prendre un enfant du club. Alors, formation au staff. Je vais garder Grégory. Envoyé en stage de formation. Allez, pop. Bonjour, que désirez-vous? De quoi désirez-vous parler aujourd'hui? Nous devrions améliorer les entraînements proposés au financement de formation à Grégory Sardan. Nous reconnaissons qu'il est préférable de. Pas cool. Et le U19. Ah, mais Pascal Chibanda, préparateur. Mais ouais, mais oui. Hop. Et ouais, c'est un très bon choix. Très, très, très bon choix. Bon, du coup, hop. Donc notre premier joueur, notre premier match, on va y aller. Annule le recrutement de Dominique Rivière. Il estime qu'en effet le club n'a pas besoin d'analyse de données. Ah, mais non. Pourquoi vous ne voulez pas de lui? En fait, le problème c'est que quand on est sur des petits clubs comme ça, remplacement inutile. Le joueur n'a pas le bon statut. Changer de statut. Hop. En fait, quand on est un club des bas-fonds comme ça, le problème c'est qu'on n'a vraiment pas de comment dire de. Sont invités à participer à une réunion pour discuter de la philosophie du club. Allez, c'est parti. En fait, on n'a pas de budget, on est vraiment limité. En fait, c'est à nous de prouver qu'on en a besoin de ce budget pour monter au plus haut, quoi. Bonjour, nous sommes impatients de savoir quel changement vous aimeriez que nous apportions à la physio du club. J'ai rien à modifier. La philosophie me plaît bien. De toute façon, même si je veux la changer, vous me direz non. Donc du coup, transfert de Pascal au point mort. Mais ouais, c'est chiant. Ouais, ça, on savait déjà que t'étais une victime, mon petit Théo. Ça fait longtemps. Alors, Mathieu Robin, accepté. Hop là. Bon, pour l'instant, je suis très loin des matchs. J'espère avoir un match bientôt parce que là, c'est vrai que. Ça qui est dommage, c'est qu'on fait beaucoup de choses, mais on fait pas grand-chose. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est vrai que là, j'ai été un peu trop vite. En fait, il n'y a pas toutes les licences. Donc du coup, il n'y a pas les licences de espagnol. Il n'y a pas les licences anglaises. Et bah, l'Italie, il y a les licences. La Ligue 1, il y a les licences. Et bah, là, on peut pas tout voir. Et il y a la Bundesliga qui a les licences. Mais oui, mais t'es une victime, mon petit bonhomme. T'es une victime. Moi, j'étais à Paris toute la semaine dernière. Hein. Juste comme ça. Hein. Donc c'est dommage aussi qu'il n'y ait pas les licences de tout le monde quoi. Bon, après, c'est comme ça. Donc Mathieu Robin va s'occuper avec l'autre DU19, Grégory Cerdan. Ouais bah Grégory Cerdan, c'était obligatoire. Alors, du coup, au niveau des joueurs, j'ai pas encore vu l'effectif. C'est vrai que là j'étais un peu trop. Du coup, j'ai deux attaquants.
Il me faudra peut-être un autre attaquant. En cas où que. Parce qu'en fait, sur mon autre partie, je suis avec Quevilly, j'ai que deux attaquants. J'ai trois attaquants. Et les trois sont blessés. Du coup, je me retrouve avec zéro attaquant. Du coup, je vais quand même voir pour un petit attaquant. S'il n'y a pas un petit jeune là, attaquant 18 ans, Christian Coffey. Ouais, allez. On va voir, demander un rapport d'analyse sur le petit bonhomme. Et Balakata. Balakata. Allez, on va demander aussi un rapport. Défenseur central. J'en ai déjà pas mal. Milieu de terrain. Un arrière latéral. Je vais voir un arrière latéral aussi. Bon, j'avais pas grand monde. Suite à la montée en nationale, les règles suivantes qui diffèrent du national de groupe seront appliquées. La feuille de match ne peut comprendre plus de 3 joueurs. Oh, ouais, bon, ça va. Mais moi j'habite à Rouen, mon petit bonhomme, mais j'étais à Paris la semaine dernière. Fallait venir. Bah ben ouais, mais moi j'ai proposé. Je ne souhaite pas pour l'instant reprendre les négociations étant donné leur échec précédemment. Ben ouais, mais c'est le club là aussi, il est débile. Oh. Donc du coup, je ne sais pas quand c'est ce que ça commence, mais le calendrier est très vide. Ça fait peur, entraînement. Entraînement, le programme d'entraînement. Aucun programme, choisir un programme. Programme de pré-saison. On va voir. Calendrier, calendrier. On n'a vraiment pas grand-chose. Je vais voir le staff. Alors, il est où? Je ne trouve plus mon staff. Staff, responsabilité. Alors, organiser les entraînements. Oh, c'est mon adjoint qui organise. D'accord. Bon, bah pour l'instant, il n'a pas l'air motivé. Bah, je vais le laisser gérer. Hein. Enfin, j'y fais confiance. J'y fais confiance. Alors, plusieurs réponses reçues pour le poste de recruteur. Alors, on a quoi? Ils sont tous le même âge. Je vais laisser l'annonce. Hop. Julien veut rejoindre Le Mans FC. Moi j'aurais mis retour aux sources en 2019. Retour aux sources en été 2019. Retour aux sources avec World of Warcraft classique. Alors selon Le Mans, j'y aurais fait part de son désir de devenir recruteur. Ah. À voir, à voir, à voir. Proposer un contrat du coup. Allez. On te propose un contrat, on est gentil. Hop là. Voilà. Eh bien, Tony Crivière est parti au Paris FC. Voilà, comme ça c'est réglé. Ah bah ouais, bah voilà. Moi j'étais à Paris, toi t'étais à Évreux, on s'est loupé mon petit bonhomme, on s'est loupé. Tu cherches la bagarre. Allez, à partir de mardi, en fait là c'est les vacances. Il voulait vraiment pas. Du coup aussi en fait vous avez un peu les informations qui tournent, les informations de transfert, les matchs et tout. Toujours sympa à savoir. Alors du coup. Un milieu de terrain, un milieu, je pense que j'en ai pas mal. Je demande un rapport sur un milieu et un arrière. Gardien de but, non, ça va le faire. Un attaquant, demander un rapport. Faut vraiment que je recrute des attaquants surtout parce que je suis. Enfin, les attaquants, c'est ceux qui se blessent le plus apparemment.
Pourquoi, je ne sais pas, mais bon. Hop là, alors. Comme demandé, j'ai établi mon rapport bimensuel sur la progression des joueurs. Vous trouvez ces deux sons résumés. D'accord. Pourrait dépasser celui. Ok, Vincent Créan, respect des joueurs. Ok, pour l'instant, ça va. Résumé du conseil. Pas besoin d'entraîneur. Poursuite de sa formation. Renforce l'équipe de recrutement. Ok. Alors, bah oui, accepté. De toute façon, je t'ai recruté, c'est pour que tu viennes. Il n'y a pas de souci, de toute façon, je reste là. De toute façon, on n'a toujours pas commencé le match. Alors, du coup, t'as le temps. Ça fait 42 minutes et on n'a pas fait le match. Bon, pour l'instant. Pour l'instant, on n'a pas grand-chose. Hein. On est encore au début du recrutement. Parfois, j'aimerais bien avoir des petites musiques sur le menu. Parce que c'est stressant, en fait. Hop, fin des recherches de recrutement. L'annonce de recrutement. Bah ouais, j'ai recruté déjà. On commence par le Tour FC. Alors, quand j'ai établi un transfert de joueur à 3h, ouais, d'accord, bon, pour l'instant. Fin des contrats. Ah, c'est tous mes contrats, d'accord. Ce n'est que les contrats du monde suivant allaient bientôt prendre fin. Bientôt prendre fin, ils prennent fin quand? Non, 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 libéré, non, 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 j'en libère aucun, de toute façon, il n'y est pas encore. Voyez, doucement. Ah mais c'est limite ça, j'ai envie d'aller sur Discord, mais en même temps je vais me faire ban. Date importante. Alors il y a quoi? On a un peu de tout. Bon, il y a quoi? Le club peut désormais enregistrer des nouveaux joueurs. Ouais, on va enregistrer l'effectif. Alors. Enregistrer. Ok. Je vais tous les enregistrer. De toute façon, il faut vraiment que mon effectif soit complet. Je peux pas mettre tous enregistrés. Sélection automatique. Voilà. Ouais, lui, il est blessé, donc je veux pas l'enregistrer. Mais en même temps, j'ai envie de l'enregistrer. Ouais, 8 mois. 8 mois, ça fait presque une saison. Du coup, non, je sais pas. Les dirigeants annonçaient avoir baissé le pourcentage des sommes provenant des transferts effectués. Elle s'élève désormais à 60%. Vous êtes pas cool parce que déjà que j'ai pas beaucoup d'argent, mais si en plus vous m'enlevez mon argent. Non! C'est chiant. Bon. Bon, 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 bon. Allez, hop. Bon, l'entraînement. Je te fais confiance. Voici le programme d'entraînement. Je te fais confiance, y a pas de souci. Alors, les membres de vos staff ont évalué la forme et la condition physique des joueurs à leur retour de vacances par préparation d'avant-saison. Ah oui, mais lui, je crois qu'il est blessé pendant 8 mois. Alors, on est dans la merde. Ouais, 9 mois même. Je suis même pas à la limite. Putain, en moyenne, je m'attends à 44 blessures. Oh, doucement. Bon, on va rencontrer les joueurs juste après. Résumé de meilleures options effectives. Ok. Bon, on va les rencontrer. Alors, en fait, là, ça va être important la rencontre. Parce qu'en fait, ça va être. Ça va mettre leur état d'esprit à l'épreuve. Donc, plus vous allez être bon dans les réponses. Mieux ça sera. Alors je sens que plusieurs d'entre vous ne n'auront pas forcément entendu parler de moi. C'est pourquoi je souhaite me présenter. Sinon je souhaitais saisir cette occasion pour me présenter à vous personnellement en tant que nouvel entraîneur. Voilà, hop. Voilà, tout le monde est content. Je suis très optimiste sur nos chances et je pense que nous avons les moyens d'obtenir la montée directe. C'est tendu, on verra, je connais pas. Je suis très optimiste sur nos chances. Je pense que nous avons les moyens d'aller au playoff. Les playoffs. Ah non, apparemment ils sont pas d'accord. Bon, je suis très confiant. J'aurais dû m'assurer. Véhément. Je suis très confiant de pouvoir atteindre les objectifs que je nous ai fixés. Vos réactions, il semble que j'ai été un peu trop ambitieux. Tu reviens sur tes dires. Je prends en compte les réactions de tout le monde. Voilà.
Pas content, content, pas content. C'est dur de les de tous les garder en fait. Alors, je ne fais que gérer les attentes. Je vois pas l'intérêt de vous donner un objectif qui, selon moi, est impossible à atteindre. C'est exactement le genre de réaction que j'espérais. Je suis très sûr, voilà, c'est la réaction que j'attendais vous, même si je respecte ceux qui partagent pas mon avis. Ouais, hop là. Ah bah, c'est pas beau. Bon, la première rencontre avec mes joueurs était pas top top. Putain, je me dis, je suis allez les gars, on va y arriver. Mais non. Cirka Bursna, donc première ligue ukrainienne. Christian Coffey, un attaquant. Alors, superviser joueur. Bien que cette infection soit dans les limites du réseau de recrutement, un montant supplémentaire sera déduit des finances du club, en raison du coût de déplacement et de l'hébergement. Voilà, c'est chiant. Du coup, lui, il est pas les basiques en fait. On va voir, on va voir. Bon, allez, je propose un contrat. Alors, lui, point négatif. Ok, il a jamais joué, il a joué. Il est bon en fait. Enfin, j'ai envie d'y faire confiance. Enfin, je sais pas, j'ai envie d'y faire confiance. De toute façon, on a besoin d'un budget. Lui aussi, j'ai envie d'y faire confiance. Voilà. Ouais, vas-y. Hop, prime par but et tout. T'as intérêt d'en mettre. Rapport d'analyste. Après, Jenny Coco, il est. Ouais. Allez, hop. Je recrute au début. J'ai envie de recruter là. Hop, on recrute tout ce qu'on peut. Défenseur central, lui je l'aimais bien, du coup je le. Alors, équipe première, je suis négocié un contrat mettant dans l'intérêt de ceci d'ailleurs, je suis. D'accord, extrêmement intéressé par Tubize. AFC Tubize, t'es sérieux toi? On souhaite même monter en Ligue 1, non, on peut pas. Allez hop, je promets qu'on montera, qu'on va monter, promis, promis. Alors, ouais, c'est un attaquant. Alors, allez hop. Arrière latéral. Merde, j'ai mis. Bon, c'est pas grave. Alors, il y a mon petit Duponchel, Tom Duponchel à entraînement qui était bon, il a fait des progrès. Alors, qu'est-ce qui se passe? Je tenais à vous dire que j'avais beaucoup apprécié vos prestations, très heureux de vos progrès au cours du dernier mois. J'ai absolument rien fait pour m'étirer, c'est à vous de voir, je n'insiste pas. J'aime pas, alors, ils m'énervent quand ils font ça. Alors, on tente le 11e tour pour la Coupe de France. Et on tente les barrages pour le championnat. Enfin, j'ai des objectifs assez hauts, moi. Hop là. Alors, du coup, lui c'est un attaquant, c'est ça? Lui c'est quoi, lui? C'est qui? C'est qui? C'est un défenseur central. À lui, il était très très bon. Ouais. Alors, type de contrat mettant joueur, poste joueur. Immédiat jusqu'en 2020, prime de match, du cœur. Ouais, allez, on finalise l'accord là-dessus. Ça va, hop là, je suis dans le budget pour l'instant. Alors, à trouver un accord pour rejoindre le club. L'essai, bon, du coup, j'ai un essai avec lui. Et du coup, j'espère avoir un match par contre.
David Morin vous a appelé pour vous poser une question. Avec la mise à l'essai de Mikael Orojo du club, beaucoup se demandent quelles sont les chances d'obtenir un contrat avec MMR. Je crois qu'elles sont bonnes. Voilà. D'accord. Donc du coup, je vais aller sur mon équipe. Mon équipe. Effectif. Hop. Hop là. J'aurais même pas un petit match. Bon, il va faire les entraînements au moins, parce que c'est l'entraînement là. Est-ce que je peux mettre un match amical? Alors. Entraînement. C'est où les matchs amicaux, je me rappelle. Calendrier, faut faire ça. On est quand? On est le 5 juillet. Je sais plus comment on fait les matchs amicaux. Ça va pas le faire. Je crois qu'il faut aller sous une équipe. Alors. Faut que j'aille sur le. Vu que c'est pas moi qui gère les matchs amicaux, faut que je. Sélection du staff. Mon entraîneur adjoint, il est où? Entraîneur adjoint, il est où? Mon petit entraîneur adjoint. Ah non, ça c'est recherche de stuff, merde. Parfois je suis complètement paumé. Club. Non, c'est pas ça. Bon, je vais pas retrouver, je suis complètement paumé. Compétition, calendrier. Ah voilà, organiser un amical. Du coup, samedi. Hop, match amical domicile. Contre l'équipe de réserve. Hop. Confirmé. Oui, yep. Ça me permettrait de tester un peu machin. Hop. Alors, Bella Kata est ravie d'avoir pu trouver un accord avec nous et enthousiaste à l'idée de travailler à nos côtés. Nickel, je suis content. Du coup, il y a Bella Kata qui arrive. On va les faire jouer. Il a signé. Pouh, j'ai eu un succès, il a signé. Alors. Enregistré dans l'effectif. Donner numéro de maillot demande. Keita en plus sans un unité de transfert. Enregistré dans l'effectif. Allez, hop. Bah il est déjà dedans, non? Je le vois pas. Ali Keita, c'est peut-être lui, non? Bella Keita, je l'ai perdu. Ok, tout le monde est ok. Bon, il a confirmé la sélection. Alors que se passe-t-il? Je souhaiterais que vous accueilliez Bella Kata au club. Voilà, hop. C'est bien. Antoine Thillier, je vais pouvoir trouver un accord. Accepté. Hop là. Du coup je fais mon petit marché et là on va commencer. Allez, Antoine Thillier, qui est rejoint l'équipe. Hop, enregistré dans l'effectif. Pas la Kate. Il est où le petit Tillier? Je le vois pas. Je les vois jamais, moi. Calvin. Hop, sélection automatique. Ah, d'accord, il est tout en bas. En fait, ça marche pas. Ça... Donner un numéro. Automatique. Soumettre. Voilà. Je pense que des fois, ça déconne. Et enregistrer. Dans l'effectif, je l'ai déjà fait, ça enregistré dans l'effectif en même temps. Voilà, hop, c'est fait. On va commencer notre premier match. Bon, c'est un match amical, certes, mais bon, c'est toujours ça. Ça, c'est pourquoi j'ai besoin de liste. Je te laisse un peu de joueurs. Hop. Alors. Akan Furuku, on accepte. Kofi,
On accepte. On accepte tout le monde. De toute façon, c'est fait. Voilà, mon recrutement est fait. Hop là, c'est confirmé. Je pense que c'est confirmé. 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 Avec la nouvelle mise à jour. Et voilà. On va y arriver, hein. On va faire notre petit match de réserve quand même. Est-ce que je le critique? Non, je commence pas comme ça. Je vais pas le critiquer. Je vais le laisser tranquille pour une fois. Je vais demander à mon adjoint de s'occuper du briefing. Pourquoi une conférence de presse? Ah, par rapport aux recrues, d'accord. Vos nouvelles recrues sont à vos côtés. Vous devez ressentir une certaine excitation et une fierté. Je suis ravi de pouvoir les accueillir au club. Un match peut se gagner ou se perdre sur un détail. Pensez-vous que Keita est un joueur capable de faire la différence? J'espère bien. Que va être l'impact de ce transfert sur le reste du monde? Je pense que son arrivée est très bonne. Bon, moi, je pense. Pas que ça sera excellent pour le moral d'équipe. Hop là. Que pensez-vous que Keita sera à la hauteur des matchs importants? J'ai la certitude, ouais. Tillet n'est pas. N'étant âgé que de 20 ans, il était recruté avant tout pour préparer l'avenir. Oui, tout à fait. C'était fait exprès en fait. Peut-on s'attendre à des changements de votre manière de jouer? Ouais, on verra. Arnaud Ngonda était laissé libre par le FC Nantes, n'ayant pas réussi à s'imposer. Voyez-vous-en quelque chose que d'autres ne voient pas? Ouais, j'étais surpris, c'est bizarre. Quels sont vos rapports avec Keita et pourquoi avez-vous décidé de venir travailler avec vous? J'ai beaucoup de respect pour Bella. Bon, on le fait notre match? Parce que là. Hop là. Au moins, il était content. Du coup, présentation du match. Comme ça, vous allez voir enfin le premier match. Du coup, ça c'est mon équipe à moi. Donc sur mon équipe, c'est pas celle de réserve. Par contre, toi, je suis désolé. Mais... Je vais mettre des joueurs. J'ai pas assez de joueurs, t'es sérieux quoi. Enfin bref. Qui on va mettre? Qui? Bon, pour l'instant, je voulais mettre Bella Keita, mais il a pas l'air d'être là. Il doit être dans l'équipe de réserve. Bella Keita. Ouais, ils sont dans l'équipe de réserve. D'accord. Du coup, hop. Le gardien. De toute façon, mon équipe de réserve. On verra ce qu'elle donne. Alors là, j'avais. Hop, lui. Coco. Corentin. Ça va être tendu pour lui. Loup là. On va changer après. Ici. Essaye de se mettre bien. On est lié. J'ai pas grand monde. Arnaud Ouganda. Hop. Bella Keita. Et du coup, je voulais mettre Tillier. Christian Coffee. Hop là. En remplaçant, je vais mettre le reste. Qu'est-ce qu'il y a, mademoiselle? Ah bah je regarderai ça après. Pour l'instant j'ai pas fait grand chose.
toute façon, je vais faire tourner sur ce match au niveau des. Au niveau des entraîneurs, des joueurs, histoire de voir. De rien, c'est pas un jeu qu'il faut live en fait. Vraiment, ce jeu que tu fais de ton côté, dans ton coin, mais pas plus. Parce qu'il n'y a pas de son, il n'y a rien en fait, il n'y a pas de musique, tu t'ennuies vite. Donc du coup, lui, je peux pas vraiment changer. Je vais mettre. On peut pas le changer. Bon, bah, c'est pas grave. Je crois que j'ai pas la main dessus, c'est pas grave. Qu'est-ce qu'il y a là encore? Je regarderai ça tout à l'heure. Au niveau de mes joueurs, moi, c'est tout bon. De toute façon, le résultat, je m'en fous. Ah oui, mais toi, faut te faire, il faut que je te dégage, toi. Hop, t'es pas sélectionnable. Non, pas sélectionnable, tu dégages. Hop. Je veux pas dégager, je veux pas de toi, Zou. Supprimer le poste, voilà, ça va être mieux. Bon, vous êtes prêts pour le premier? Bon, comme d'hab, une petite causerie de l'équipe avant de démarrer, faut bien. Et on va avoir du son. Je sais même pas si. Ouais, je regardais au cas où. Alors, causerie de l'équipe. Vous pouvez le déléguer si vous êtes vraiment pas. Truc comme sinon. Causerie, calme. Froid, particulier. Faites un bon match et tout. Ouais, c'est bon, je vous dis faites un bon match. Les attaquants. Calme. Moi, je veux voir des buts quand même. Je veux voir montrer les milieux. Montrez-moi votre place dans l'équipe. Et défenseur, pareil. Hop. Comme toi. Semble stressé. Mais non, mais faut pas être stressé, mec. Donc, du coup, voilà. Vous avez votre truc. Donc, en fait, soit vous laissez comme ça. Franchement, moi, c'est pas mon kiff. Hein. En fait, j'ai jamais apprécié cette vue-là dans Football Manager. Il y en a qui apprécient. Je sais qu'il y en a qui aiment bien voir comment jouent leurs joueurs. Oh, bien joué Keita. Oui. Ah, je pense que Keita fera une bonne recrue dans l'équipe 1. Donc du coup, après, là, vous pouvez faire des consignes. Ah, par exemple, montrer que vous avez du caractère. Et du coup, ça aura un impact. Là, ça va gonfler le bloc, apparemment. Ils sont à fond. Vous pouvez changer votre technique, soit en très défensif, offensif, équilibré, quoi que ce soit. Là, vous pouvez changer votre tactique de jeu, mais pour ça, il faut avoir des tactiques de jeu avant. Remplacement de joueurs, les consignes d'équipe. Bon, du coup, c'est ce qu'on a vu au début. Après, bon. Franchement, si vous aimez cette vue, je sais pas comment vous faites. Moi, ça me stresse. Ça permet de voir en détail, hein, c'est bien, mais je le trouve pas beau. Après, vous pouvez changer. Faire soit le match complet, soit le truc. Changer la vitesse, le mettre en rapide. Hop, comme ça. Ou soit faire comme moi, mettre en 2D. Avec. Comme ça. Et voilà. Et maintenant, vous avez votre match qui va défiler un peu plus vite. Alors, nous devrions demander aux joueurs d'envoyer plus de ballons. Et là, vous avez une plus belle. Bah, moi, j'ai toujours joué comme ça. Après, il y a. Comme j'ai dit, il y en a, ils préfèrent avoir les joueurs pour voir ce qu'ils font et tout. Ça dépend du truc, quoi. Donc du coup, ce que je peux faire, c'est portez-vous vers l'attaque. Je veux voir des buts. Je vais faire un petit remplacement, ça fait 20 minutes. Alors, du coup, qui je peux. Ils sont frustrés. Pour. Bon, je vais attendre un peu, ils sont pas assez épuisés, on va attendre un peu. Bon, c'est vrai que là vous avez le bruit du ballon, ça fait toc toc. Hein, bon. Il
Défensivement, ils sont bons en face. Hein. Oui, beau but. Et là, vous avez droit au ralenti si vous voulez. Au cas où. On vous le laisse, ça fera un beau but à regarder. Ouhou. Ah, joli. Franchement, belle passe. Allez hop. On va les féliciter. Des fois, on les félicite et ils sont pas contents. On va voir l'impact que ça aura. Ah, ça va. À la mi-temps, je ferai quelques petits changements. On verra. Ah, du coup, il y a quoi là en fait? Vous avez un peu les détails, difficulté à garder la balle dans le camp adverse. Voilà, Victor Mwangi a perdu le. De toute façon, je vais changer les gars alors. Causerie de l'équipe. Je suis satisfait, les gars. Continuez. Ils sont tous contents. Je vais rien dire de plus. Je vais juste faire des remplacements. Oh, tiens, hop. Hop, on fait quelques petits changements. J'ai pas d'autres buteurs. On va laisser ces deux là, je vais faire deux petits changements. De toute façon, c'est un match amical. Changement illimité. Pas de pression. Oh, je vous dis pas de pression. Vous êtes frustrés, je vous dis pas de pression les gars, c'est pas grave. Vous restez calme. Oh, on est pas content. On sera jamais content. Beaucoup d'action, hein, t'es étourdi. C'est très calme. Ah, bien joué. Ouais, je suis content qu'il marque des buts, hein, parce que ça reste mon équipe quand même. Hein. Je les teste. GG. Bien, bien, bien. Faut qu'il y ait des buts dans les deux camps. Allez, hop. Bien, 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 on continue. Si je les félicite, ils vont être énervés. Non, ça va, ils ont l'air de bien le prendre. Bon, il y en a qu'un qui ça a été. Quoi. Sur 13 tirs quand même. On fait 6 cadrés, on en met que 2. La honte, quoi. Keita, c'est pas ça. Hein. Allez hop. On prend un truc un penalty, on s'en fout. Bon, ça fera une petite victoire. On démarre avec une petite victoire, même si c'est contre nous-mêmes. Bon. Fin du premier match. Bon bah rien à dire. Je suis content de vous. Bon premier match. Hop. Du coup c'est qui était en période d'essai là? Du coup ouais, je me rappelle plus c'est qui mon joueur qui était en période d'essai, mais du coup je sais pas si il a joué. J'espère qu'il a joué. De toute façon, on me le dira. Hop, un peu de repos. Je crois qu'il y a un match amical dans pas longtemps. Analyse d'après match. 0% de centre réussi. Il va falloir travailler les centres, les gars. Ouah, 448 abonnements. Ok, bon, c'est pas grave pour Aubervilliers, les gars. Bon,
tellement peu de choses. Diarra verdement. Allez, hop, accepté. J'ai fait mon petit marché. Je suis content, c'est 2 Orojo. Ah oui, du coup il a joué 2 Orojo, ça va. Je sais pas ce qu'il a fait par contre. Enregistrement effectif. Hop là. Réunion, recrutement. Belkacem Louchi. Hop. Gardien de but. Pas mal ça. Bangali Koulibaly. Point négatif, 28 matchs disputés en carrière. En quoi c'est un point négatif? Yacine El-Khaouti, on va demander un rapport, on va voir. Petit rapport avant. Éviter les conneries. Ouais, bah toi, enfin, limite, j'ai envie de te licencier, mais ça se fait pas en fait. Oh putain, encore une conférence. Votre nouvelle Malamine est à vos côtés. Je suis ravi de l'accueillir au club. C'est la même question. Ce ne fait rien qui met en péril. Il est souligné que c'est déjà votre 7e recrue. Ouais, on renforce, mec. Attends, je mets en péril l'avenir du club parce que je recrute trop. Ouais, mais en même temps, faut parce que sinon. Alors, Michael Dirocho évalué à 0 euros. Allez, je propose un petit contrat. De toute façon, t'es. Truc, toi, tu. Hop. Acquitté au terme de cette période d'essai, alors que vous aviez indiqué que vous souhaitiez le faire signer les supporters. Du coup, il a pas de truc, j'ai même pas vu. Je crois qu'il avait signé. Moi. Merde alors. Oh là là, je me suis endormi sur le truc quoi. C'est pas grave, casse-toi. De toute façon, je t'aime pas. Alors, le Mans FC a reçu l'offre du Havre. Putain, le Havre, vous faites chier pour un poste de kiné. Je ne sens pas normal que vous vous mêliez de ma carrière ainsi que. Qui s'impose. Je vais me supplier. Je l'ai supplié, il reste. Ouais, il y a Patrice Monteil. Du coup, Patrice Monteil, c'est mon ancien directeur de formation quand j'étais à Quevilly. J'y propose un contrat. Ici. Vu que je le connais personnellement, hop, je lui propose un contrat mais il dira pas non parce que vu que c'est qu'un jeu. Il dira non vu que c'est qu'un jeu. Je n'expliquerai pas la manière dont il a quitté le club de Quevilly. Mais voilà quoi. Hop là. Merde. Alors, vous trouvez en pièce jointe d'analyse, enfin, ils sont beaucoup à jouer sur les ailes, par contre ils peuvent nous prendre sur l'axe, va falloir voir. Ils ont gagné contre Caen, la réserve de Caen. Vers le Mans. Alors, du coup, le mec n'a pas trouvé d'accord, mais il a trouvé un accord. Ouais. Alors, les mecs, faut savoir, vous l'avez viré il y a 2 ans,
Et là, vous voulez le reprendre. C'est pas normal, Kevin. On vire pas un mec pour le reprendre après. Hein. Ils sont bizarres, Kevin, quand même. Hein. Je leur montre ça, ils sont morts de rire, je pense. Vous recrutez Patrice? Ah bon? Oh mon dieu. Là, je vais donner un numéro automatique. Soumettre. Oui. Mon dieu, mon dieu. Je l'ai pas mis dans l'effectif, hein, si c'est une top. Durant, durant, non mais. Ouais, bah oui. Ils me l'ont piqué, ils avaient plus d'argent que moi. Non, je les félicite pas encore parce qu'en fait, pour l'instant, j'ai pas assez de confiance avec eux. Et du coup, en fait, si je leur dis un truc, ils vont m'envoyer bouler. Donc j'évite ce genre de rapprochement avec les joueurs. Ouais, briefing, fais le briefing. Voilà. Ok, on va essayer d'exploiter le côté droit. Par contre, ils sont bons, hein, va falloir faire attention. Déjà, je vais jouer avec mon équipe pour l'instant. Hop là. Du coup, je voulais voir un truc avec mon équipe réserve. Keita. Je voulais tenter de aider au Keita. Pas la Keita. Pas la Keita. Hop. Donc du coup. Je voudrais le foutre machin. Je me rappelle plus comment on le fout dans l'équipe. Bon, on va voir. On va attendre. On va y aller. Alors là, on peut les foutre dans les équipes, mais là, je me rappelle plus. Bon, c'est parti, les gars. C'est un match amical. Donc, assuré. Bonne chance, prenez plaisir. C'est parti, allez. Il y a des supporters et tout, alors du coup, ça crie. Ah putain, on n'y arrive pas. Hein. Je suis sur le côté là-haut. C'est vrai qu'ils m'entendent pas, mais je peux crier en fait. Oh là 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 là. Putain, montrez que vous avez du caractère, bordel. Allez-y quoi. Alors, tu me diras, ça fait que... Voilà. Ah bah il pleut, c'est pour ça ils ont du mal. Je comprends. Bien joué. Yeah. Bon. Et ça s'annonce plutôt pas mal, hein. Un match amical à mi-temps, je vais faire un peu de changement. Dommage. Hop, je vais faire un petit changement là. Du coup, je voulais. Hop. On va tenter le petit nouveau. Yeah. Ils s'en
s'en sortent plutôt pas mal. Hein. Comme j'ai dit, par contre, vu qu'il me manque encore des attaquants, fallait que je mette mes attaquants. Faut vraiment que. Ils sont bien, franchement. Tiens, l'adjoint. J'avais la flemme de dire un truc. Le problème, c'est que j'ai pas de. Ouais, j'ai vraiment personne. Du coup, il y a quelqu'un d'autre que je voulais faire tenter. Je voulais tenter. Malamine Dara. Remplacé par. Hop. Fermer. Vraiment voir ce qu'ils valent tout. Passant de Oro de Arojo, il s'en sort plutôt pas mal. Putain, j'ai du mal à dire son nom. Il n'y a plus rien depuis tout à l'heure, ça y est, c'est fini. Penalty, allez hop. J'ai un milieu à changer là. Hop. Peu de changement, ça fait pas de mal. Ouais, mais je peux pas les changer les attaquants, je suis pas d'attaquant. Calmez-vous. Allez, un petit dernier là. Un dernier. Un joueur blessé, ça commence. Bon bah c'était la victoire facile hein, clairement. Oh. Ah, du coup j'ai déjà un joueur blessé, hein, ça commence. C'est pas cool. Froid, ça va, absent 6 jours, ça va encore. Ah, du coup faut que je retourne dans mon équipe de réserve, faut vraiment que je les foute. Bon, je trouve le moyen de le foutre en équipe 1. Alors du coup, Bella Keita, je voulais le... Et voilà, c'est comme ça qu'on fait. Je peux pas le mettre. Du coup, je vais sur le calendrier, organiser un match amical. Type match amical. C'est pas ça que je voulais, mais c'est pas grave. Je vais pas trouver, ça me saoule. Ouais. C'est un match de ouf, c'est tout. Il y a Adam Assar au Paris FC. Il est parti au Paris FC, Adam Assar. Ok, j'ai loupé un truc. Du coup, ouais, on peut peut-être... Si on se concentre sur la défense avec un bon pressing, on peut peut-être les empêcher de marquer. Bon bah au revoir. Allez, au revoir. Salut. Bye bye.
Alors, attribut, c'est un attaquant actuellement disponible. Faites demander. Pour paye, perdu 18. La aussi inscrit 2 buts. Pouah, en 18. 2 buts en 18 matchs. D'AS Monaco. Propose un essai. Match disputé 10. Ok, gardien de but. Bon, allez, on va y aller doucement quand même, Koulibaly. Hop. Encore me faire engueuler sinon. Paris FC, ça a été déjà un peu plus dur comme équipe. Se permettre de voir si l'équipe tient bon ou pas. Ils ont perdu combien? Parce que correction, mais. Ça de Lavallois. Putain, depuis quand Laval, ils sont devenus bons? Hop, hop. Pour l'instant, je les félicite pas. J'ai pas assez de recul en tant qu'entraîneur, bon, sinon il faut pas être content. Équipe de réserve. Faudrait qu'il ait proposé au club fixé de. Je cherche à comment l'envoyer dans mon équipe. Je vais trouver, hein. Et re mon petit Théo. C'est l'effectif. J'étais en train de chercher comment refoutre un joueur dans mon effectif en fait. Plus là du coup j'ai un blessé, ça commence en plus. J'ai deux nouveaux joueurs, on va essayer. Du coup lui je pourrais effectif. Par contre lui je pourrais le dégager quoi. Enfin tu le dégages, hop. Effectif. Envoyer en équipe réserve. Pas marché. Du coup, maintenant il est en équipe réserve normalement.
J'ai pas envoyé en équipe première. Normalement, il y avait un truc envoyé en équipe première. Je vais regarder si d'autres joueurs l'ont. Je pense en fait je l'ai pas parce que c'est pas moi qui ai la main sur l'équipe de réserve. Ah, et du coup elle est contente? Équipe réserve. On verra plus tard. Hop. Du coup, pourquoi t'es toujours là, toi, en fait? Tu prends du poste, mec? Hop. Ça pour l'instant et je vais voulais tester mon nouveau gardien de but mais on va pas tester aujourd'hui, on va le tester sur un autre match. Oh la chance ça. Tu devais être content alors. Ouais, les attaquants, montrez-moi que vous avez la place, montrez-moi, hop, véhément, montrez-moi que vous avez la place, voilà. C'est parti, on y est. Un match un peu plus difficile. Là, je pense qu'on va prendre cher. Oui, Adama Sarr. Ça fait un de moins, quoi. C'est un très bon buteur. Il a mis pas mal de buts pour Kevin l'an passé, quand même. Yeah! Et alors, c'est qui le patron ici? On les félicite, mes petits bonhommes. Oh, poteau. C'est stressant. On est bon, on est bon. Waouh, on a une nouvelle accolade trailer. Mais Adama Sarr est blessé, mais il continue de jouer. Enfin, c'est pas grave, c'est qu'un but. On va faire quelques changements. Allez, tu as vu que t'es frustré. Truc. Par contre, je voulais mettre Malamine Dawara. Hop, on va faire quelques petits changements. Oh, hop là. C'est pas grave, c'est qu'un match amical, on s'en fout du résultat. Du coup, il a joué l'autre fois. Oh là, hop. C'est parti. Le but c'est pas de gagner, le but c'est de ouf. Donc regardez ce que vous savez faire. C'est quoi ce vilain hors-jeu les gars?
Oh oui. Mmh. Belle passe. Ah, t'aurais fait la passe, ça aurait été nickel. Mais bon, c'est pas grave. La faute là-dessus. Carton rouge. Ah, c'était sûr. C'est pas grave. Je sais même pas s'ils sont bien placés, ça le problème par contre. Y'a pas de soucis mon petit Théo, je te fais des bisous, je te dis à bientôt. De toute façon moi je vais pas tarder à arrêter parce que Football Manager, enfin voilà, c'est pas très passionnant. Enfin, moi je suis à fond. Mais bon, c'est vrai que sur le live, pas que ça passionne, même si j'enchaîne les victoires. C'est pas le jeu de ouf. Quand même la victoire contre le Paris FC fait plaisir. Et voilà, victoire. Et voilà, nouvelle victoire. C'est magnifique. Bon, du coup, on enchaîne. On fait 3 victoires de suite. Hein. Franchement, rien à dire. Sur ce petit début de saison, bon, on n'a pas vu grand chose, hein, mais bon, je pense qu'il faudrait des heures et des heures et des heures et des heures de live. Pff, ça serait extrêmement long. En tout cas, Lucci et De Garel sont très bons. À ce que j'ai vu là, ils ont bien géré en défense. Donc, du coup, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Ah, 5 hors-jeu, putain. Eh oh, faut se calmer. Hein. On se prend le carton rouge aussi. On a réussi à jouer à 10. Non, franchement, bien joué. Donc voilà, voilà. En tout cas, merci d'avoir suivi ce live de Football Manager. Donc j'avais mis le maillot du Mans FC pour l'occasion, pour vraiment présenter les trucs. On peut pas montrer énormément de choses parce que c'est un jeu déjà qui est mou à faire en live. C'est dommage. Mais bon, vous avez vu pas mal de choses. En fait, le petit regret on peut dire, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de licences cette année. Enfin, je trouve qu'il y a de moins en moins de licences dans le jeu. C'est dommage, c'est vraiment dommage. Du coup, on se retrouve avec avec beaucoup de clubs, rien que la première ligue, pas la ligue espagnole, la ligue espagnole et tout et tout. Enfin, tout ça n'ont pas de licence et tout, d'écu, il n'y a pas d'écusson et tout, c'est vraiment dommage. Bon, après voilà, on peut pas tout avoir, ça coûte cher d'avoir les licences, donc on peut pas faire grand chose non plus. Bon, sur ce, je vous fais des bisous, je vous dis à bientôt pour un futur live. On verra sur quoi, peut-être Call of CTULU,
Je pense, mais ça sera Mademoiselle qui va faire le live ou The Catman, on verra. En tout cas, merci d'avoir suivi le live. Je vous dis à bientôt et dormez bien.